Hello tout le monde, c'est Fornax et oui, on est de retour sur Blazing pour enfin, je sais, oui, enfin la suite du tournoi Blazing Global. Je sais que ça fait pas mal de temps que vous attendiez la suite, hein, ça doit bien faire au moins une semaine, mais bon, difficile d'avoir tout le monde au même moment. Bon, là voilà, mais bon, on se rattrape. On a aujourd'hui la possibilité de tourner cette demi-finale Susu contre Seb et je suis en compagnie de Hisoka. Comment ça va, Hisoka? Mais oui, on se retrouve depuis pas mal de temps pour ce match enfin. Seb qui est vraiment un gros prétendant au tournoi face au cancer, franchement, qui nous étonne, hein, qui est présent parmi nous. Et voilà, je pense que ça va quand même être super drôle. C'est bien, on va voir s'il va avoir du misplay comme la dernière fois, on va voir. C'est ça, si, on va bien voir ça. Donc du coup, bon, ouais, pas besoin de représenter Susucre et Seb. Juste si vous avez quelque chose à dire avant le match. Ah bah écoute-moi, j'ai dû attendre. En fait, s'il y a eu une semaine sans le match, c'est parce que je devais aller voir mon banquier pour pouvoir payer un Seb pour qu'il me laisse la win, parce qu'évidemment c'est un complot. Et du coup, il fallait que je voie avec mon banquier tout ça, parce que on m'a dit qu'en finale il y avait un 40 bar à gagner, donc la tête de ma mère, moi je suis prêt à tout pour gagner sur moi, et du coup j'espère que Seb tu vas me laisser gagner. Très très bien. Je vais te laisser gagner, je sais quoi. Ça va y dire. Très bien. Donc, Susucre qui fait évidemment référence à son fight contre Samer Larbien qui a fait du coup des misplays assez gros. Du coup, ça fait pas mal de blabla derrière. Mais bon, voilà, hein, c'est comme ça. Malheureusement, Samer Larbien a perdu, c'est Susucre qui passe. On va voir du coup si aujourd'hui, eh bien, il va pouvoir réussir à passer cette demi-finale contre Seb. Et donc on va tout de suite passer eh bien, à la phase qu'on adore, c'est-à-dire le ban. On va commencer peut-être avec Seb du coup. Seb, si tu Tant que tu bannes pas mon compte tant que tu bannes pas mon compte Jab Dokken Battle, ça devrait bien. Non, là je vais te ban Gaara PvP. Très bien. Ah putain, qu'est-ce que vous avez un ban Gaara, vous avez vraiment des bâtards. Ok. Je ban mon Gaara PvP. Donc ça c'est fait. Il me semble bien que tu l'avais, de toute façon, Susucre, hein, dans ma mémoire. Oui. Voilà. Oh, tu sais, hein, on a tout, nous. Et toi, Susucre, du coup? Écoute, je me tâte, c'est terrible. Je sais absolument pas ce qu'il y a dans sa box. Pas, tu vois. On va ban Hinata. Non. Hinata. il était pas tout le temps là. Après, voilà. Il y avait, de toute façon, de très grosses, enfin, très fortes probabilités que cette Hinata soit ban, hein, qu'on connaisse ou pas la boxe, hein, de toute façon. Ok, donc je suppose... T'avais Gaara? Non, j'ai pas Gaara, moi. Ah putain, j'ai hésité, hein, putain, si j'avais ban le mec, il avait pas. Là, mais là. Oh, je me serais suicidé. J'ai pas Gaara. Bon bah, ok, très très bien. Et bien, on va voir comment va s'en sortir Seb, du coup, sans sa Hinata. Du coup, on vous laisse un peu de temps et on se retrouve très vite pour votre match. Et on est parti pour le match du coup de Susucre contre Seb. On suit la caméra de Susucre. Et qui donc a ressorti son haku. Son haku des familles. Hein, qui lui... Le haku toujours, ouais, toujours présent. Qui a d'ailleurs depuis le début du tournoi, je crois, son haku, hein, si je me trompe pas. Il a dit qu'il allait terminer avec. Hein. Il allait pas l'enlever jusqu'à la fin du tournoi. Il allait le laisser là jusqu'au bout. Et en face, on peut voir que le ban Hinata fait mal parce qu'il n'y a pas Gaara. Il a dit qu'il n'avait pas Gaara et il n'a pas Hinata. Ouais, il y a déjà deux gros leaders pas présents. Ah, du coup, pas vraiment de leader rapide, même pas du tout de leader rapide côté. Oui, Hashirama, je sais pas s'il a l'habilité. S'il n'a pas d'habilité, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de mieux en termes de vitesse, même si c'est pas le pire. Mais s'il a pas d'habilité, effectivement, ça va être un peu compliqué. C'est ça. Il peut tuer personne. Enfin, je veux dire, là, c'est hyper dur. Il y a un body. Soit il fait sur Hashirama, mais il y a Madara derrière qui est duke damage. Bah, s'il fait sur lui, il met pas sur lui. Ouais, bah, en vrai, c'est le moins pire, je pense. Vraiment, c'est le. Oh, le vrai duke damage là, dessus là. Ouais, après, c'est le perso le plus lent après, voilà. Parce que s'il avait fait ça sur lui, mettre une Hinata sur le terrain, il aurait rattrapé tout le monde au final. Donc, ça aurait pas été. Ultra intéressant. Alors, du coup, Susucre à suivre avec CM2 sur double cible. Ouais, il va tenter de bloquer le chakra du One Tail. Bon, après, sur One Tail, ça va pas faire gros dégâts, quoi, ouais, on va dire. Hein. Je pense que c'est surtout. Il a réussi. Après, il l'a tué quand même. Là, c'est vrai que le kill est quand même. Il a tué bien. Une cible et il a bloqué le chakra. C'est une bonne opération là. C'est une bonne opération pour. Oui, mais après, il peut chercher le hit combo et il va donner le chakra à Obito. Donc, il va arriver tout de suite en jutsu l'Obito quand ça va être à lui. C'est ça.
Là, il lui donne le 15, donc voilà, Obito a plus qu'un chakra. Donc par contre, après, Obito va mettre du temps à arriver. Hein. Je pense que le Madara qui est passé à su sucre. Est-ce qu'il va essayer de tuer, enfin vraiment focus le Obito? Il va tenter. Bah, il va le... Mais là, il peut pas le switch, ça le truc. Ah ouais, et en plus, il est tombé Obito, faut forcer hein, pour tomber Obito, faut y aller, comme on dit à chaque fois. Bah, il le tuera pas là-dessus, mais il lui fera beaucoup de dégâts. Critique, si, le critique, je pense. Sur un critique. Et sinon. Non, quand même, les dégâts quand même, sont quand même importants en vrai. Hein. Bon, ça se voit que c'est Obito, parce que n'importe quel skill, je pense qu'il y passe hein, avec ses dégâts. Oui, bien sûr, Avec l'assist, hein, ça a bien fait mal. Il reste quasiment rien au Obito qui, du coup. Après là, triple cible. Ouais, triple cible là-dessous. Est-ce qu'il y a du stun? On va voir ça. Double stun avec un. Oh, triple stun. Oh, avec deux persos vraiment très. Et alors là, en plus, il a un AOE là. Et on n'arrêtait pas de parler de Obito Skill depuis le début du tournoi. Ah, mais quand on vous dit quoi qu'il est incroyable ce personnage en PvP, c'est pas pour faire le fanboy, les gars, mais je vous jure qu'il est incroyable. Obito Skill, c'est. Et là, c'est le, voilà le AOE quoi, direct. Et ça, c'est le move. Hein. C'est le move. C'est le skill qui a tué la game, hein. Clairement. Obito Skill, les gars, c'est une machine, mais vraiment, c'est incroyable hein, ce perso. Autant il a pas de vitesse, mais il a beaucoup de vie, beaucoup de dégâts, du CC, enfin du stun, enfin voilà. Il est hyper complet, franchement, bah, encore heureux qu'il a pas beaucoup de speed, parce que sinon, je pense que c'est est-ce qu'il va y avoir un rematch? Non, apparemment, il y aura peut-être un ajustement, donc on va laisser Sucre faire son ajustement, et on se retrouve donc juste après. Et on est reparti pour la seconde manche, du coup, 1-0 pour Seb, hein. Pour Seb, qui peut remercier grandement son Bitoski sur le dernier match, parce que c'était pas forcément super bien parti. Et puis d'un coup là, le triple stun qui a retourné la game comme il faut. Et donc, il a une team full bébé, tu vois, mais il n'y a pas de leader en fait. Donc on se dit, ouais, il va forcément avoir un désavantage, mais en fait, pas du tout quoi. Et Sucre qui a procédé à un changement, qui a rangé son Haku. Et voilà, qui a rangé son Haku et qui a mis Gaara Bravery à la place. Alors je pense que c'est juste histoire, en fait, il veut juste essayer de doubler son Obito pour chercher le hit combo, pour pouvoir envoyer le jutsu de Obito direct, en fait. C'est la technique classique, mais là il a mis Ah là justement, voilà, là il l'a fail, voilà, la puissance d'Hashirama, c'est qu'en fait il contre le combo de Rikudo, la technique pour envoyer le jutsu de Obito que le direct, il peut pas en fait. Là il arrive avec son Obito, sans chakra. Le Gaara Bravery qui est pas mort non plus, bon ça va, il a quand même... Il a quand même 24k je crois, ou 22k, je sais plus de points de vie. Ça va. Alors là-dessus, qu'est-ce qu'il nous fait dessus? Il nous fait un jutsu switch sur du coup le Rikudo pour mettre Obito sur le terrain. Ouais, parce que l'Obito il veut essayer de l'éliminer, parce que comme j'ai dit en plus en off, c'est que son Obito est full habilité, donc il a la durée de l'immobilisation prolongée. Donc c'est vraiment, si ça immobilise, c'est fini quoi, vous allez vraiment plus bouger pendant très très longtemps. Et je pense qu'il va essayer de le focus. Il va... Oh là là, il a trop réfléchi et ça pardonne pas en PVP. Là. Ça, c'est le karma ça. Je sais pas si c'est le karma, mais en tout cas, quand tu réfléchis trop, mon gars, tu peux racheter. Le temps passe vite, hein. Le temps passe vite en PVP. Là aussi, ça commence à réfléchir beaucoup. Ah ouais, je pense que Sucre qui savait plus quoi faire, là il s'est dit, j'ai peut-être perdu le... Et en plus, le pire, c'est que quand tu vois la vie de Obito Rikudo, c'est qu'il aurait pu le tuer en fait, mais avec le Lee. S'il avait fait le jutsu de Lee, mais largement, en fait, derrière son jutsu, c'était fini pour l'Obito skill. Ouais, là il avait, il le tuait, il avait le kill en fait, ok. Là il peut s'en mordre les doigts. Le timer, en vrai, pour les gens qui sont habitués du PVP, c'est horrible. Hein. C'est horrible. Le timer, c'est... Surtout quand tu sais pas quoi faire, t'hésites et au final, en fait, tu fais rien, en fait, tu te déplaces comme quoi, genre juste sur la map, t'as vraiment là, tu te dis oula. Ouais, et là du coup, Obito Skill qui peut envoyer le jutsu en triple. Alors là, si ça triple mobilise, je rigole. Ok, il y a le miss forcément. Après, ça peut stun comme. Ok, il y en a eu un. Ouais, mais bon, les deux ils sont dans le Reduc Chakra, non? Il y a le Hashirama dans le Reduc, le Rock Lee qui est low. Donc là, bon, je pense que Madara. En vrai, il y a un Hashirama à suivre chez Seb. Intéressant là-dessus. Il y a aussi un jutsu de Obito Rikudo arrivé pour. Il va taper en double désavantage élémentaire. Est-ce que ça va faire beaucoup de dégâts ça? Est-ce que ça tue Lee? Non, ça tue pas Lee. Hyper rien. C'est bien. Au jutsu par contre là. Non, faut pas qu'il le fasse sur. Autant qu'il cherche les dégâts, autant qu'il essaye de chercher les dégâts. Clairement, ouais.
Et ce qu'il aurait dû faire, c'est se coller à son Rock Lee. Il y a eu un miss. Le miss d'Obito Rikudo. Oh, c'est dur. Le miss de Sun en plus. Naruto Rikudo, oui, en dessous du Obito skill. Et en plus, bah, il m'a immobilisé personne en fait. Et on parle depuis tout à l'heure, mais en fait, il y a eu zéro kill depuis tout à l'heure. Ouais, il y a beaucoup de misplay, beaucoup de perso low du côté de Susucre. Alors là, il y a eu beaucoup de miss, de move, bah, pas concluant, hein, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de kill. Par contre, là, il fait le premier kill, je pense, quand même. Oh, la attends, oui, il va te choper. Oh non! Waouh, là, c'est grave, hein. Bah là, il y a le kill, forcément, hein, là, enfin, je veux dire, même sans, ah, là, sans rien. Là, c'est dur pour Susucre, du coup, qui fait pas le kill sur le Bito. Obito qui va du coup être sauvé, Seb va pouvoir se fier sur son Naruto. Le truc c'est qu'il s'est dit, t'as vu, il a fait le jutsu, il a vu que Madara bah justement contrôlait le jutsu, donc il s'est dit bon bah je vais pas faire sur lui vu que ça va faire un miss, bah finalement il a quand même fait un miss. Donc c'est vraiment vraiment pas de chance. Alors le Naruto il envoie le jutsu sur Madara qui est toujours stun. Alors là putain Susucre a 3 personnages, la vie des personnages de Susucre. Et ça peut tellement partir vite. Elle est tellement bizarre cette game parce qu'il y a tellement de. Comment dire, des misplays, des coups de pas de chance, il y a un peu de tout là. Là, il y a un peu de tout. En plus, il y a des jutsu claqués de tous les côtés, mais ouais. Zéro kill pour l'instant. Zéro kill. Ah, ça y est, premier kill. Allez. Il va chercher l'immobilisation. Il peut immobiliser. Tirgin immobilise avec le boost de speed. Va chanter, là. Il va essayer d'immobiliser le Madara qui est plus sous. Du coup, anti-jutsu, donc il va prendre les dégâts là-dessus. C'est vraiment chanceux pour le coup. Ça passe, Miss. Ah non, dommage. Ah, ça passe pas. Il a pas pris le boost de vitesse, donc il ne rattrapera. Il va pas rattraper One Tail. Peut-être qu'il aurait dû le prendre, je sais pas. Mais il aurait pu prendre le boost de vitesse pour du coup, là, il envoie le coup blanc en Hashirama. Quoi. Après, par contre, il a plus de jutsu en fait. Il a plus de jutsu quand tu regardes. Ouais, il y a plus rien chez Susucre. Il envoie son dernier jutsu, celui de Hinata. Et il doit faire 3 kills en coup blanc. Avec une seule vie, ça me paraît vraiment, vraiment, vraiment compliqué là. Ouais, clairement. Là, ça me paraît. Bah là, c'est fini. Là, c'est fini parce qu'il y a Rock Lee à suivre. Et même pas, de toute façon, il y a coup blanc, voilà, coup blanc sur Bravery. Et c'est terminé. Voilà, étonné. Du coup. Là, je suis étonné parce que l'équipe de Seb, voilà, avec un Hashirama leader, mais ouais. Voilà, vraiment une bonne équipe quand même. Et pas GG à lui. Hein. Tout à fait. GG à Seb. Bon, par contre, le move de Susucre là, le par le timer, je pense que. À mon avis, de l'autre côté, ça a dû bien crier chez lui. Oui, mais, ouais, c'est clair que là, en plus, après, il se mange le jutsu d'Obito Rikudo, alors que normalement, bah, il le tue, en fait. Bah, là, c'est vrai qu'à cause du timer, ça fout la pression, et des fois, on sait pas quoi faire, et on fait, bah, au final, rien, donc... C'est ça. Bah, du coup, on va aller les rejoindre, peut-être pour entendre Susucre rager comme jamais sur son move. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Hero tout le monde, on est de retour, donc, vous prendre les avis, et, bah, forcément, on va pas déroger à la règle, on va commencer donc avec Susucre du coup qui a perdu ce match. Du coup, donne-nous un peu ton ressenti sur ce match du coup. Mais moi je dis complot, clairement, tout a été fait pour que Seb gagne. Vous avez bien vu, hein, j'ai pas joué mon perso et tout. C'était un complot. Hein. Mais en fait, j'étais en train de regarder en même temps Lyon PSG pour rien vous cacher. Et du coup, j'ai pas vu qu'il restait une seconde et c'est trop tard, je peux valider. C'est dommage parce que je pense que du coup sur la deuxième game je l'avais gagné si j'avais fait ça, on a un peu parlé du coup avec Seb. Le timer ça pardonne pas hein, du coup. J'aurais peut-être perdu la troisième mais en tout cas la deuxième je pense que je l'avais gagné si j'avais pas fait ça. Mais c'est my bad, GG, et puis voilà. C'est le karma hein, comme dirait Hisoka, pendant qu'on commentait, c'est le karma. Ah oui, je passe les quelques misses qu'on a eu dans la deuxième game aussi. Et la deuxième game qui était assez étrange en effet, hein, entre le timer et puis il y a eu des misses qui sont passées, etc. Mais par contre, ce qu'on a remarqué, c'était quand même, Seb s'en est bien sorti hein, avec aucun leader rapide. Enfin, rapide, hein, j'entends par là ceux qui dépassent 300 et quelques, 350 de speed. Donc Seb, qu'est-ce que t'en as pensé toi de cette game du coup? Si je pense que pareil que lui, s'il avait fait le jutsu de Rock Lee sur mon Bito Rikudo, je crois ça l'aurait tué et du coup je pense qu'il aurait gagné la deuxième game. À un moment j'ai eu peur quand même sur la deuxième game. J'ai quand même cru à un moment que j'allais perdre parce que j'avais beaucoup de vert, il avait beaucoup de rouge, du coup j'arrivais pas à finir ses persos et tout. Ouais. Et lui bah du coup il pouvait bah, vite les finir quoi. Et c'est tout. Puis sans leader, mon Hashirama il faisait le taf, il avait 300 de speed je crois. Ouais. Donc ça passe, en gros, entre autres ça passe quoi. Clairement, en effet.
Bah en plus ouais sur cette deuxième game il y a eu pas mal de comment dire de d'action avant qu'il y ait eu le premier kill, on a attendu pas mal de temps avant qu'il y ait le premier kill, hein. Je sais pas ce que t'en penses Hisoka, mais c'est assez drôle cette deuxième game. Ça fait longtemps quoi, ils sont restés tous les deux longtemps à 3 vies, on s'est dit ah mais ouais. Ils vont jamais se tuer, ils vont rien faire. Mm-hmm. Et aussi ce qui était drôle aussi, je t'ai apprécié, c'est que première game, il y a Seb qui fait un jutsu, qui fait triple stun, et il y a Susuk qui fait lui un jutsu sur deux personnes et qui stun bah rien en fait, voilà, lui il a stun personne. Alors, en pire que ça, il y en a un que j'ai même pas touché parce que c'est un miss, et l'autre ouais, c'est le stun qui a miss. Donc ça, en fait, oui. Tu voulais le jutsu le Madara, mais t'as vu qu'il avait le truc qui contrait les jutsu, donc t'as dit bon vas-y, je vais faire sur l'autre, mais il a quand même mis ça avec le Naruto. Ah oui, j'avoue, là, c'était incroyable. Vraiment pas de chance. Bon. Bah, en plus du fait que j'ai oublié de jouer un tour, la RNG m'a carrément chié dessus. C'est ça. Et on notera du coup le triple immobilisation du premier round. Donc, ah ouais, là, qu'on a vu ça, lui, on a vu rien. Parce que lui, il n'y en a pas un qui passe, il n'y en a pas deux, il y en a trois. Du coup, Obito, hein, qui Obito Skill, hein, qui est... Franchement, on va faire un vote du MVP du tournoi, mais pour l'instant, je pense qu'il est très bien classé, ce Obito Skill, qui a fait ses preuves dans pas mal de matchs. Donc voilà, félicitations du coup à Seb. Et puis du coup, on va remercier Susucre d'avoir du coup participé au tournoi. Ah bah merci. Moi qui pensais gagner, hein, quel dommage. Mine de rien, quand même, avec ton Haku que tu voulais porter jusqu'en finale, tu t'as réussi quand même à aller jusqu'en demi avec. Donc, et j'ai même sorti du Gara Brave remake dans et j'aurais gagné si j'avais pas misplay. Enfin si j'avais pas oublié de jouer en fait, c'est pas misplay, c'est juste j'ai oublié de jouer. Représentant de comment dire du old school de l'ancienne de méta avec les Gara Bravery, les Haku et compagnie. Ouais. Et puis Seb du coup bravo bravo à toi hein. Bravo ouais, à merci, toi. Merci. Du coup premier qualifié donc Seb eh bien peut-être qu'on n'attendait pas forcément jusqu'en finale puisque voilà Seb qui était pas connu de la scène du coup Blazing et du coup qui se retrouve en finale et donc du coup ça c'est un gros bravo à toi et puis du coup tu affronteras eh bien le vainqueur du match Shiga contre Meda Blazing là aussi ça promet quand même du lourd hein, au niveau du match les ça deux promet, là du gros bébé en face là. On va voir ce que ça va donner. Donc, ouais, dans les deux cas, tiens-toi prêt, prépare-toi bien pour la finale, Seb, parce que ça va être vraiment du lourd. Voilà. Ok. Sur ce, merci beaucoup pour cette game. Merci à Hisoka d'avoir commenté avec moi. Et puis, on se donne très vite rendez-vous pour la deuxième demi-finale. Si à tout le monde. Allez, Lyon!